Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et là je vais rouvrir mes cartons de décoration de Noël parce que ça y est, je suis descendue dans ma cave, j'ai récupéré mes cartons de déco pour pouvoir faire ma décoration pour cette année et remonter mon sapin de Noël. Je ne sais pas si parmi d'entre vous, vous avez déjà fait vos décorations ou pas. Moi pour ma part, ça y est, c'est aujourd'hui. D'une année sur l'autre, c'est dingue parce que j'oublie toujours que j'ai telle ou telle décoration. Donc cette année, j'ai décidé de filmer ce petit moment avec vous. Allez, on y va, on va ouvrir tout ça. Bon, on peut pas se tromper, hein. Décoration de Noël, c'est celui-là, et aussi un autre carton ou décoration Noël. Allez, on va commencer par le tout petit. Vous allez croire que ma décoration est sur le thème du Roi Lion, mais non, pas du tout. Les cheveux d'argent. Bon, des petites guirlandes, rien de particulier. D'autres guirlandes, un petit Papa Noël. Ça y est, maintenant que je les ai vus, ça me revient. Des petits animaux, super mignons. Ça brille un petit peu, mais pas trop. Et puis les couleurs, ça reste naturel, j'adore. Donc le petit raton laveur, mon petit écureuil avec sa petite noisette. Vous allez voir, il y a pas mal d'écureuils. Un autre écureuil, une tête de cerf, toute blanche. D'autres écureuils, et je vous avais pas menti quand il y avait pas mal d'écureuils. Un autre écureuil, et un dernier, non c'est pas un écureuil, des petits rouges-gorges. Moi je crois que c'est ça, des rouges-gorges. On va regarder donc l'autre carton, le gros carton. Ah non j'ai oublié, il y avait une petite poche aussi dans le carton. Et là il y a un peu de tout, mais sur le thème de la nature, un petit gland. Pomme de pin avec le gros lot. Un vrai gros lot. Pomme de pin, et là pareil donc... des guirlandes et d'autres guirlandes en forme de pomme de pin. Voilà pour le coup, j'ai ouvert le carton juste avant de remettre la GoPro parce que avec la GoPro j'allais pas pouvoir y arriver à ouvrir mon carton. Donc ça y est, il est ouvert, on continue la découverte. Donc des boules, encore des boules déco. Il y a des boules un peu comme celle-ci, brillantes. Alors c'est vrai que lorsque je les avais achetées, eh bien, il n'y avait pas de petite boucle pour pouvoir l'accrocher directement sur le sapin. Alors ce que j'ai fait, eh bien, j'ai pris de la laine blanche et j'ai fait moi-même ma boucle. Et ça sur toutes les boules. Et aussi celle-ci en fait qui est plutôt mate. Et il y a même un cheveu d'argent. J'avais craqué sur ces boules-là et je les ai achetées. Et puis parce que j'avais pas assez de boules, parce qu'elles sont énormes celles que je vous ai montrées, j'en avais pas suffisamment, il m'en fallait d'autres, un peu brillantes, un peu mates, pour rester plus ou moins dans le même thème, et bien j'ai pris des couleurs argentées. Bon là une fois de plus, pareil, j'ai défait le nœud hors caméra, et on y va, on continue à découvrir. Je me souvenais pas que j'avais scotché les boules, donc dans celle-ci il doit y avoir des trucs très très fragiles pour que j'ai pu le scotcher. Ah oui, ça y est, je me souviens. Ces boules-là, en fin de compte, je les ai achetées chaque année. Il y a des petits modèles comme ça différents. Donc là, on peut voir qu'elle a vécu puisqu'il lui manque un petit côté blanc. C'est dommage. Et là, une dernière. Ah, c'est la même que celle-ci. D'ailleurs, petite info, je ne sais pas si vous êtes au courant ou pas, ou si vous le faites. Pour les petites décorations comme ça de Noël, notamment à Truffaut, ce que je fais, je garde un thème. Donc ça y est, j'ai choisi mon thème de ma décoration de Noël. Et pour continuer à rester là-dedans, tous les ans, le lendemain après Noël, je vais à Truffaut et toutes les décorations de Noël sont soldées à moins 50%. C'est vraiment très intéressant parce que dans tous les cas, moi d'une année sur l'autre, je rachète 2-3 trucs pour pouvoir compléter mon sapin jusqu'à ce qu'il soit bien garni. Et voilà, tous les ans, je rachète quelques petites nouveautés histoire d'avoir un petit plus sur mon sapin. Mais c'est vrai que c'est très intéressant de pouvoir y retourner le lendemain de Noël. Moi, pour ma part, je repère un petit peu quelques jours avant et puis lorsqu'ils défont toutes les décos, ben, j'y retourne. Et franchement, c'est très intéressant. J'ai acheté notamment des petites décorations comme ça. Aussi des petits écureuils. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y en a pas mal en décoration sur mon sapin. Mais c'est tellement adorable que bah, j'achète, j'en profite, tout simplement. Je comprends maintenant pourquoi je les avais scotchés vraiment pour pas que ça tombe. Parce que là, il y a des petites, genre de petites billes qui ont été collées pour faire effet neige. Il faudrait pas que ça se tombe et ça se casse. Ah, dans celle-ci, ça a l'air soyeux. Tout doux. J'aime beaucoup les rapaces et c'est vrai qu'il manquait des rapaces sur mon sapin. J'étais allée, je sais même plus où est-ce que je l'avais trouvé celui-ci. J'étais avec une amie, on avait fait plus ou moins tous les magasins à côté de chez nous pour faire les décorations de Noël. Et j'avais trouvé celui-ci, un hibou. Franchement, il est superbe. Je le kiffe. Et après, il y a des petits oiseaux. Bon, bien plus simple, c'est sûr. Mais ils ont une petite pince pour pouvoir l'accrocher au sapin.
J'en ai quelques-uns comme ça, on va continuer. Un ours polaire. Alors là, j'ai des plumes. Hop, un petit paon. Et pareil, celui-ci s'accroche avec une petite pince. Des stalactites. En magasin, c'est toujours, ça paraît toujours énorme, mais en fin de compte, c'est pas si grand que ça. Hein. Bon, j'en ai quelques-unes, et c'est d'ailleurs pour ça que je les ai mises avec du sopalin. Bon, je me dis même les laisser pour pas faire de bêtises. Là, par exemple, pour vous donner une idée, l'année dernière, après Noël, j'ai acheté ceci, la guirlande. Une guirlande toute plumeuse. Je sais pas si ça se dit d'ailleurs, plumeuse. Mais je l'ai trouvée superbe et ça allait super bien avec mon thème de sapin. Bon voilà, ça y est, j'ai fait le tour. J'ai déballé tout ce que j'avais dans mes cartons. Donc maintenant, il va y avoir une étape. Tout mettre sur le sapin. À déballer le sapin, décortiquer et tout, l'installer. Et à le positionner, je pense que je le mettrai juste là, là où je suis. Après, je ne sais pas si vous, de votre côté, vous décorez que le sapin ou si vous décorez également votre chez vous. Moi, pour ma part, non. Donc, c'est pour ça que les décorations s'arrêtent là. Bon, alors du coup, est-ce que vous avez monté votre sapin, fait des décorations? Dites-moi tout dans les commentaires. Quels seront les thèmes de votre déco? Si vous les avez plutôt roses, plutôt rouges, plutôt verts? Ou si, au contraire, vous n'avez pas du tout de thème, vous les faites toutes les couleurs? Dites-moi tout dans les commentaires, je serais curieuse de savoir quelles seraient vos décorations de Noël. J'allais oublier de vous montrer mon étoile que je mettrai en haut de mon sapin. Bon, ok, c'est pas vraiment une étoile, couleur un petit peu nacrée, brillant, mat. Voilà. Bon ben voilà, la vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et que vous aurez passé un agréable moment. Si celle-ci vous a plu, je vous inviterai à mettre le petit pouce vers le haut pour le soutien. Sur ce, je vous laisse, je vous souhaite une bonne soirée et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bonne soirée, à demain. Bye bye.